dimanche soir. Après, il y a... Les impressionnistes, par rapport à d'autres peintres contemporains, n'ont peut-être pas privilégié le détail du costume. Mais ce qui les intéresse vivement, c'est plutôt la silhouette, la manière dont la silhouette est dégagée par la lumière environnante, par l'environnement lui-même. La parisienne, l'élégance, telle que les impressionnistes la montrent, n'est pas une élégance qui est liée à un milieu social. Vraiment, la parisienne, elle peut être titrée, ça peut être une grande bourgeoise, ça peut être quelqu'un de la moyenne bourgeoisie, mais elle se distinguera par son élégance. Et donc, Paris avait une réputation, enfin, la parisienne avait une réputation d'élégance énorme à l'époque. Elle était le modèle. Cette mise en valeur du corps masculin, il est quand même avant tout pour mettre en valeur à son tour l'attitude, enfin la femme, la robe, les couleurs. Je crois qu'il y a un critique de l'époque qui disait que l'homme était simplement là pour mettre en valeur la symphonie colorée de la femme.